Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que Noël s'est bien passé pour vous. Moi, ça s'est très bien passé. Cette année 2014, c'était vraiment top avec vous. J'ai adoré en fait faire des vidéos sur YouTube, donc sur eux en fait, j'ai adoré faire des vidéos sur eux. Et puis tous les commentaires que vous mettez, sur eux toujours, c'est vraiment touchant et voilà. Donc déjà, je voulais vous dire merci avant d'attaquer cette vidéo parce que... voilà, cette année s'est très bien passée. J'espère que la prochaine année va très bien se passer aussi. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dressage. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être le dressage numéro 3. Et en fait, vous étiez beaucoup à me dire sur YouTube, tout ça, que votre cochon vous mordait et tout, que ça vous agaçait, enfin c'était énervant. Et du coup, vous m'avez demandé des techniques, le dressage en fait, pour comment faire pour qu'il arrête en fait de nous mordre. Parce que c'est vrai que c'est vraiment agaçant, si je peux dire ça comme ça. Moi, avant Fribourg, je me rappelle, les deux premières semaines étaient exactement pareil. Vous inquiétez pas, c'est très normal si vous venez de l'acheter et si il commence un peu à vous mordre et tout. Moi, elle était exactement pareil. Même une fois, je crois que c'était le... troisième jour que je l'avais, je sais plus trop, mais elle m'avait mordu jusqu'au sang et voilà, en fait ça fait vraiment très mal, on croit pas, mais en fait si, parce que les petites dents, enfin c'est comme des lames en fait, c'est voilà, c'est vraiment aiguisé en fait, du coup ça fait vraiment très très mal. Mais voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, du coup je vais vous proposer ma technique que j'ai faite pour l'adresser, pour qu'il arrête de vous mordre, parce que oui, on doit dresser en fait son cochon pour ça, parce que c'est vraiment très important si vous voulez qu'il arrête. Il y a un dressage qui a très bien marché selon moi et qui, si vous le faites normalement, va très bien marcher pour votre cochon également. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi en fait le cochon mord, les raisons en fait du pourquoi, du comment, on va dire. Voilà, après vous m'aurez comprise, les raisons du comment. Donc, non, les raisons du pourquoi. Ah, puis voilà. Vous m'aurez comprise. Donc déjà, en fait, il peut vous mordre tout simplement de votre faute. Je sais, vous allez dire, mais c'est pas de notre faute s'il nous mord. Mais des fois, si, par exemple, si vous l'embêtez, voilà. C'est vraiment très dangereux. Par exemple, quand un cochon dort et quand vous l'embêtez ou quand vous faites un truc qu'il aime pas, tout simplement, là, à mon avis, il va vous mordre, mais il va pas vous louper, je peux vous le dire. Donc ça, déjà, voilà, ça fait vraiment très très mal. Je pense que c'est la pire des choses à ne surtout pas faire. Ensuite, donc des fois, par exemple, c'est quand on sent la nourriture, donc sur les mains, par exemple... voilà, on sent la nourriture, on sent l'endive ou voilà son animal préféré, son fruit ou légume préféré, du coup elle a tendance à mordre, mais ça c'est pas de sa faute ni de la vôtre en fait. Ensuite, tout simplement parce que voilà, il y a trop de bruit par exemple, vous avez des amis qui viennent manger et tout, par exemple votre cochon, donc la cage du cochon est dans le salon et vos amis sont dans le salon aussi en train de manger, s'il y a du bruit... Des fois, et après du coup, si vous la prenez dans les bras ou si vous la caressez, des fois ça se peut qu'elle vous morde parce qu'elle a peur, tout simplement. Ou tout simplement, voilà, votre cochon peut un jour, voilà, comme nous, c'est des êtres vivants, ils peuvent être de mauvaise humeur des fois. Du coup, voilà, du coup là, il vous mord un peu parce que voilà, il est de mauvaise humeur, mais bon, des fois, on n'est pas tous de bonne humeur dans la vie. Du coup, voilà, c'est à peu près les 4 raisons, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous en avez trouvé d'autres. Je sais que j'en avais trouvé d'autres, mais j'ai complètement oublié. Mais voilà, mais en général, voilà, c'est surtout ça, en fait, c'est les bases. Pourquoi un cochon nous mord, c'est surtout, en fait, pour ça. Mais il y a des fois, voilà, on comprend pas trop pourquoi il vous mord. C'est-à-dire que, voilà, il est de bonne humeur, en fait, il est de très bonne humeur, mais d'un coup, voilà... vous le caressez tranquille et d'un coup comme ça il vous mord. Alors là voilà, c'est vraiment un truc à ne pas comment dire, à ne pas laisser passer, c'est à dire qu'il faut le dresser, il faut lui faire apprendre que ça c'est pas bien, parce que voilà, c'est quand même vous le maître, on va dire, le maître ça fait voilà, mais c'est quand même vous le maître on va dire, donc c'est vous qui devez lui apprendre parce que voilà, tout simplement parce que c'est pas bien et que
Après, je pense pas que vous vouliez que votre cochon vous morde tout le temps. Du coup, c'est très très important. Du coup, si vous voulez pas louper, en fait, louper son apprivoisement, j'allais dire, mais louper ce dressage-là, tout simplement pour qu'il vous morde pas et qu'il n'y a pas de dégâts. Parce qu'après, avec des enfants, ça peut être aussi valable avec des enfants, des petits-enfants de quoi, de 2 ans, 1 an. Qui met ses mains et tout, le cochon, il mange tout ce qui passe, du coup, bam, ça arrive et la catastrophe arrive. Donc pour éviter tout ça, bah, je vais vous proposer ma technique qui a très bien marché. J'ai fait pour Fripouille et Nesquik et ça a très bien marché. Impeccable, maintenant il mord plus du tout, à part pour les raisons que je vous ai dit un peu plus tôt. Mais voilà, maintenant il me... Voilà, en fait il me mord plus, il me lèche et donc... Donc je vais vous expliquer en fait pour pas qu'il vous morde. Après pour qu'il vous lèche, voilà, c'est après c'est comme il le sent, c'est voilà, on peut pas trop le dresser pour ça. Comme je vous ai dit, le dernier dressage que j'avais fait à la vidéo du dressage numéro 2, on peut pas trop le dresser en fait pour qu'il vous lèche. Donc voilà, mais déjà qu'il vous demande pas, c'est une bonne chose de fait. Donc maintenant je vais vous montrer donc ce que vous attendez tous, le dressage en fait, du coup, pour qu'il arrête de vous mordre. Donc pour la petite histoire, moi j'ai regardé sur internet, voilà, ça vient pas de moi cette idée, j'ai regardé sur internet, sur des sites un peu que tout le monde oublie en fait, et pourtant qui donnent vraiment des très bonnes idées. Je pourrais pas vous le mettre en barre d'infos ce site parce que je ne sais plus du tout comment il s'appelle, mais voilà, des fois regardez bien sur internet, des fois il y a des petits sites en bas, tout en bas, qui sont vraiment très très bien. Donc voilà pour la petite histoire. Je vous ai raconté l'histoire du jour. Donc, comment faire? En fait, vous prenez des clés avec vous. Donc, soit vous prenez votre cochon dans les bras, soit vous le laissez dans la cage, c'est comme vous voulez. Et vous prenez des clés. Donc, les clés de maison, mais essayez de prendre des clés qui sont plutôt bien chargées, voire 5 clés sur le même porte-clés, parce que ça fait plus de bruit, en fait. Et si vous prenez qu'une clé, ça fait pas forcément beaucoup de bruit. Faut que ça fasse beaucoup de bruit. Donc 5 clés, 4 clés minimum, ce serait bien. Du coup, vous prenez vos clés. Et donc, par exemple, voilà, vous le prenez sur les bras. Sur les bras. Dans les bras. Sur les genoux. Voilà. Sur les genoux, dans les bras, enfin bref, sur vous, quoi. Et donc vous caressez votre cochon. Hein, donc vous cachez les clés, vous faites pas de bruit pour l'instant. Vous le caressez. Et donc. En général, bah, c'est un cochon qui est nouveau, en fait, que voilà. Il va commencer des fois à vous mordre. Et donc, quand il vous mord, mais pile quand il vous mord, c'est pas après ni avant, c'est quand il vous mord pile, vous allez bouger les clés. Voilà. Et là, vous allez voir sa réaction, donc il va avoir très peur, en fait. Parce que il déteste ça, en fait, le son des clés, parce que c'est vraiment strident, en fait, le son des clés, du coup, bah. C'est pas forcément le bruit qu'ils préfèrent en fait. Du coup, ils vont avoir peur. Vous allez le recaresser. Vous cachez, vous faites plus de bruit. Voilà. Et vous retintillez, on va dire, les clés quand il vous mord. Et vous faites ça à chaque fois. À chaque fois que vous le prenez sur vous, vous prenez des clés avec au cas où. Et voilà. Voilà, c'est tout. C'était ma technique en fait que j'ai faite pour eux et je peux vous dire que ça a vraiment très très bien marché. Maintenant, ils ne font plus du tout. Ils me lèchent tout le temps. Ils ne mordent plus, sinon ils savent que en fait ils entendent un bruit qui leur fait peur. Du coup, ils vont pas mordre parce que c'est quand même pas bête ces petites bêtes-là. Du coup, voilà, ils vont savoir automatiquement que s'ils font ça, bah, y a un truc qui va se produire qui est pas vraiment génial pour eux. Du coup, ils vont vraiment très bien comprendre. Et faites ça pour vos cochons d'Inde. Et dites-le-moi après en commentaire si ça a marché pour vous. C'est vraiment... Voilà, voilà, j'adore lire vos commentaires sur le dressage, à propos du dressage, pour voir si pour vous, en fait, ça a marché. Pour vos cochons, ça a marché. Et je vous dis à une prochaine vidéo.